D'abord, je voudrais vous présenter Victor. Justement, lui, c'est l'un des agriculteurs qui travaille avec ce système d'association qui s'appelle UNOCAS. Ils sont 970 agriculteurs dans tout le pays. Ça fait déjà 12 ans à peu près qu'ils travaillent avec ce système de fermes bio. Alors, ils exportent justement le cacao en France. C'est principalement matière première hein, qu'il exporte ici. Et il y a aussi pas mal de fleurs par terre si vous voyez. La différence justement c'est qu'un arbre comme on vient de voir et l'arbre il est poussé à partir de la graine du cacao. Par contre ici on voit que c'était planté à partir du bâton. Ou sinon nous avons aussi des greffes qui sont faites exprès pour faire pousser le cacao à côté. Là par contre la production ça commence à partir en un et demi. Les cabosses qui poussent et aussi pas mal de fleurs. Ici dans cette ferme il y a 12 hectares, hein, principalement de cacao. Les feuilles de cacao, ils arrivent, ils passent 48 heures en haut, 48 heures ici en bas. On va donc le placer sur le même matériel que le sac par terre. Et là donc les deux premiers jours sont très importants parce qu'on ne fait pas sécher complètement. Le but c'est aussi de faire sortir de chaque feuille de cacao l'acidité. Ça va donner donc une bonne qualité de cacao. Après donc, deux jours après, on va le faire sécher complètement. Qu'on va faire, on va tester donc, on va mesurer aussi le pH de fèves. Il y a quand même un laboratoire qui fait partie de l'association. Tous les sacs, ils vont tous partir vers cet laboratoire. Là-bas, ils vont s'occuper de vérifier si la taille de la fève, c'est la correcte, si c'est bien séché aussi. Et aussi la qualité, le goût. 10% exportation, 10% pour consommation locale. Et pour la fabrication de plaquettes de chocolat et de céréales de chocolat. Et la pâte de cacao, ça c'est la matière primaire pour la fabrication de chocolat. 75% chocolat. Et après donc, ils rajoutent soit des fois la mélasse. Vous passez l'information à vos oreilles sur l'Équateur, vos amis et familles. Ils travaillent énormément avec aussi certaines sociétés de marché équitable. Dans cette ferme, donc, il y a deux variétés de bananes. Barraganete, qui est une variété de bananes plantain, et le Dominique. Dans les fermes, alors, qui s'occupent d'exporter les bananes, là, ils vont laisser pousser uniquement deux bananiers en même temps. Les bananiers principaux, donc, dans 7 mois, à partir du moment que ça pousse, il va donner déjà le régime. Ils récoltent le régime, ils vont couper les bananiers qui va servir donc justement comme compost pour fertiliser la terre. Et il va pousser le 12e bananier qui va continuer le même cycle.